C'est que ce pourquoi il est parti, Dieu a permis qu'il soit victorieux là-bas. Mais il ne pouvait pas aller dans son pays. Ce pourquoi on l'a amené, il a fini de subir. Il est sorti victorieux. Interdit de venir dans son pays. Ça a rajouté encore à la souffrance de toute la Côte d'Ivoire, mais particulièrement de vous. C'est pas. Mais Dieu a un calendrier que personne ne maîtrise. Il a décidé qu'un 26 novembre 2022, votre fils nous revienne à nous tous. Charles Boutier est arrivé. Nous avons essayé, comme on a pu à Abidjan, pour ne pas qu'il y ait un seul incident, pour ne pas qu'on dise quoi que ce soit. Dieu nous a aidés. Regardez-le, il est tout au complet de A à Z. Notre rôle à nous tous, c'était de l'accompagner, je ne sais pas. Donc, la nouvelle que nous voulions vous donner, c'est qu'il y a 11 ans, votre fils était parti. On ne sait où. 11 ans plus tard, Dieu l'a ramené. Et nous, nous sommes témoins privilégiés de cet instant. On vous accompagne, on l'accompagne pour vous ramener votre fils. Bonjour. Il est très content, il est heureux avec ses pères de l'arrivée de notre fils. Moi, depuis que c'est comme ça, j'aime dire notre fils. C'est notre fils. Il est très heureux avec ses pères parce que chez nous, la prison, c'est la mort. Ça se dit textuellement la maison de caca, en été prison. Quand tu vas dans les sous-sols comme ça, c'est la mort. Et quand tu en reviens, c'est une joie qu'on ne peut même pas décrire. Ils sont très heureux, c'est pas depuis 17 heures. Ils sont à son domicile, à côté du Bonwoli, notre lieu public là. Nous savions que vous seriez beaucoup. On va venir chez notre frère, et à son homme de professeur de Koubou. C'est chez lui, c'est vraiment, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc vraiment, c'est une joie qui nous anime. Comme vous dites, Ayaouidja, la Goma Abelia. Dans les marathons, la Goma Abelia. De voir notre fils. Comme il a dit, son père, lui aussi, il a été content quand il a vu les pays. En pareil circonstance, la tradition voudrait qu'on mette une barre sur sa figure. Avec le divin du corps. Parce que c'est une sorte de résurrection. On le met à la vie. Mais comme le temps ne s'y fait pas, parce qu'on a déjà mangé du piment, et quand il va prendre des bénédictions au village, ça a jeûne. C'est à midi, soit tu dois le faire, mon chef, pour dérouler de la boisson. Comme le temps ne s'y fait pas, le chef dit de lui dire symboliquement qu'il souffre qu'on n'est pas fait maintenant, mais c'est comme si c'était fait avec un poulet blanc pour dire que ses cheveux vont blanchir, qu'il sera rassasié le jour. C'est vraiment Dieu l'a fait.
Donc, les temps plus clément viendront où? On va le faire dans la plus tradition africaine. C'est notre fils, nous avons le devoir de le faire. Alors, je viens vous dire qu'on est très heureux. Et il est sur cette terre, j'ai lu bien secret, je suis à l'égard qui est là, le faire. Avant d'aller sur la place publique, c'est le devoir, moi, de faire la libation au nom des gendarmes. Et je les dis qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que notre fils vient de venir. Je veux que le ciel soit clément. Vous dites qu'on porte notre fils dans le feu. On est fiers de lui. Yes. Ça, c'est pas de façon là. Donc, Dieu le bénisse. Dieu le bénisse. Ici, dès d'arriver, grâce à Dieu, nous voulons que le temps qui va être passé, que vous ne trébuchiez pas, que vous ne marchiez pas sur vos épines, que vous ne fassiez pas des saints. La parole, on va pourquoi aller. Hey, monsieur le professeur, comme je l'avais dit là, on ne va pas faire la marque. On va mettre un peu de piment. C'est papa qui sont là. C'est papa. C'est lui qui est venu. C'est la cérémonie, nous n'y a pas gagné. Pourquoi est-ce que vous êtes dans les noms? Voilà. Donc pour les autres, la boisson qu'elle accompagne le poulet. Majesté, oui. Au nom de votre fils, au nom de tous ses frères et amis qui sont aujourd'hui sur le sol de Gagnoa, nous disons un grand merci, un très grand merci. Mais vous savez, votre fils m'a confié une mission. C'est vrai qu'on a accompli la mission comme on a pu. Et Dieu merci, il est là. Donc, comme il est là, lui-même, il a entendu que ses pères sont très contents, ses parents sont contents. C'est à lui, en tant que fils, revenu de la mort, de prendre la parole pour dire que c'est vraiment lui. Ça dit qu'on peut-être c'est une ombre qu'on voit. Donc, il faut que lui-même, ça sorte un peu de sa bouche pour qu'on puisse être sûr que votre fils, c'est vraiment lui. Le tribun. Oui, le tribun qu'on a. C'est comme une personne. Gagnant. Allez, malheureusement pour moi, et voilà, j'aurais bien voulu parler en fait. Depuis 2011, c'est quand même aux Isa, donc à Akel, et qui est vite. Oui, c'est lui. Avant toi, nous. Le devoir, il n'est pas possible. Oui, sauf moi. Parce que quand tu empruntes un chemin qui a été emprunté par un éléphant, oui. Tu ne crains pas d'être mouillé par la rosée. Oui. Voilà. Donc Babou a enlevé la rosée sur la route. Et je suis venu. Et je n'ai pas pris de rosée sur la route. Parce qu'un éléphant était en train de se faire. Je suis venu. Et
j'ai voulu que mes amis m'accompagnent ici. Parce que dans le monde, parce que si vous m'avez dit, moi là, si vous m'avez dit, 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 il va se faire prêt. Moi, je ne vais pas de Guibéroua. La Guibéroua est une partie de Canoua. Donc, je viens de Canoua. Je suis venu s'appuyer là. Pour leur dire qu'à partir de demain, si vous avez envie de bruit vers le côté là-bas, c'est moi qui suis en train de faire là-bas. Donc, c'est pourquoi je suis venu. Et quand je suis venu, j'ai trouvé tous mes frères, toutes mes soeurs, debout depuis l'entrée d'habitude. Cette route qu'on fait en 4 heures, on l'a fait en 12 heures. Je dis que, en tant que vos enfants, on n'a pas le droit de vous faire attendre ici comme ça. C'est depuis 17 heures, vous êtes ici. Et là, c'est pas notre faute. Les habits, les didas. Vraiment, tout le monde était sur la route. Et quand on est arrivé à l'entrée des Gagnois, on n'a pas de bonheur. C'était encore plus grave. Nous avons trouvé une population en liesse. Ça dépend de ce que le chef leur a dit. Si le chef a dit celui qui vient à Saint-Ban, ils vont faire la police là-haut là-bas. Mais toute la population s'est débutée. Donc, le chef là, moi le saluer, moi l'applaudir parce qu'il a dit qu'on est bon. Je suis allé pour répondre. Sur votre enfant, l'éducation qu'on m'avait donnée, c'est comme ça que je suis comporté. Parce que quand on attrape ton patron et puis on t'attrape, en général, on veut se servir de toi pour l'affaiblir ou pour le condamner. J'ai pris l'exemple du procès qui se passe en ce moment en Guinée. Andadis Camara et Toumba, son aide de camp. Quand tu as fini d'écouter Toumba, le poulet que tu m'as donné là, j'ai mérité ça. Parce que j'ai les plans, on ne s'est pas servi de moi pour condamner ma poule. On est allé à deux, on est venu à deux. C'est pas comme ça. C'est pas moi. C'est lui. On est resté droit. Et ça, c'est très important. Parce qu'en général, dès qu'on attrape quelqu'un dans un petit commissariat ici, comment ça se passe? On va de la Cour pénale internationale. Un gourdin judiciaire où tu es condamné avant d'être tiré. Devant moi, je condamnais Charles Tello à 50 ans. Il est en prison en ce moment, en Angleterre. Il avait 70 ans quand on le condamnait à 50 ans. C'est pas la mondiale. Mon voisin, il s'appelle Bosco, c'est un Congolais. Il a été condamné à 30 ans. Mon deuxième voisin, c'est un Ougandais. Il a été condamné à 25 ans. Mon autre voisin, c'est un Congolais. Il a été condamné à 14 ans. Celui qui a été, qui a eu une petite peine, il a eu 12 ans. Bon, c'est comme si le blanc Gbagbo et moi on était à l'hôpital. Et puis chaque matin quand on se réveille, le voisin est mort. Demain tu te réveilles, l'autre voisin est mort. Donc toi, tu es là, tu attends ton truc pour mourir. C'est ce qui s'est passé. Mais Dieu n'avait pas envoyé son témoin. Et il a été notre témoin. C'est pourquoi on n'a pas planté un seul témoin. Et on a été libéré. Un leader dans sa vie, il traverse trois étapes.
première, dès qu'il y a une nouvelle idée, c'est la moquerie. Oh, lui, il n'y a rien. Lui, il y a un frère. Ça, vos crayons, donc l'air. Et puis, vient la deuxième étape. On commence à le prendre au sérieux. Ce gars, dès son affaire, commence à réussir. Donc, on commence à le brimer, à le réprimer, à l'emprisonner. Et puis vient la dernière étape, l'étape de la gloire. Oh yes. Mais papa, c'est à cette étape-là qu'on voit soit le vrai leader, soit le faux leader. Le faux leader va se servir de cette étape de la gloire pour brimer ceux qui sont moqués de lui hier. Amen. Il faut réprimer ceux qui l'ont réprimé hier. Mais le vrai leader, même quand il a la possibilité d'écraser celui qui s'est moqué de lui hier, ou celui qui l'a brimé hier, il lui tend la main et il le relève. C'est ça que je veux faire. D'être mes parents. Les parents, les chefs traditionnels, qui sont les premiers à qui je m'adresse. C'est ce que je suis venu faire. Je suis venu dire à tous les Ivoiriens qu'on a fini de faire l'expérience des muscles, on est même allé au-delà et on a fait l'expérience des âmes. On connaît le résultat. Nous tous, donc on va essayer autre chose. Autre chose, c'est qu'on se parle. C'est qu'on soit tolérant les uns avec les autres. En général, c'est difficile. Il y en a qui disent, bon, oh, on attend le match retour. Papa, mais c'est pas le match retour, hein. Parce que si on doit gagner le premier match, et que tu veux un match retour, c'est tu peux bien gagner. Ça fait 1-1. La prolongation. La prolongation, là. Vous pouvez être tous encore 0-0. Tire au but. Malheureusement, à chaque étape, ce sont les Ivoiriens qui perdent. Et je ne veux pas participer à ça. Yes. Beaucoup d'entre vous ont dormi en mousse. Oui. Ici à Gagnon. Oui. D'autres sont allés au Ghana, au Libéria. Beaucoup sont morts. Le vrai fou, ce n'est pas celui qui mange la poubelle. C'est celui qui fait la même chose et puis il espère un autre résultat. Tu fais la même chose, tu as le même résultat. Je ne veux pas qu'on fasse la même chose. Et j'ai besoin de vos bénédictions. Réussis cette mission. Et cette mission, ce n'est pas pour la Sambata. Ce n'est pas pour Bagolo. Ce n'est pas pour Bédi. Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous, enfants de Dieu. Pour qu'ils aient un pays en paix. On va donc aller pour moi. Et sachez que je suis revenu. Nous ne sommes pas venus avec un trophée pour narguer les autres. Nous sommes allés. Et les Blancs expliquent que Ben Bambou et moi, on n'est pas coupable. Moi, je ne veux plus qu'un seul fils de la Côte d'Ivoire parte dans la CPI. Parce que je viens de là-bas. C'est une honte pour un pays que de transférer toujours ses enfants à l'extérieur. Un enfant qui peut le taper. Mais t'es un an, bien de vous aux enfants. Bien, aidez-vous aux enfants. Pour vous autres, le gorille peut être fâché. D'une colère noire. Comme il vit sur les arbres, il laisse terre tomber sur la fin. Parce qu'il est fâché. Il peut le gronder et ils sont dans les arbres là-bas. C'est ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Et quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu. Thank you.
De la part des papas de notre président, qui a donné des nouvelles qui font que vous êtes avec nous ce soir. Des nouvelles qui viennent de la chef. Je vais divulguer maintenant. Nous savions que notre fils là, c'est ce qu'on appelle un canimant, c'est un guerrier. Ça, nous le savions. C'est pourquoi nous attendons que nous allons le voir. On a vu à travers les médias, mais nous voulons le voir, le recevoir chez lui-même. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. On n'est pas étonné de ce qu'il vient de nous dire. Nous voulons lui dire qu'il a notre soutien, il a le soutien de ses parents. Nous faisons confiance. Nous croyons que les pas qu'il pose vont permettre qu'il aille de l'avant, car nous sommes derrière lui pour le soutenir. Et cette entrevue-là, ce n'est pas la première et la dernière. En tout temps encore, nous espérons que nous allons nous revoir. Parce que, de façon substantielle, le chef en dit. Encore bonne arrivée, nous comptons sur lui. C'était, je vais dire, le point d'ordre, nous comptons sur lui. Nous pensons que. Il est digne d'être suivi. Nous le regardons, nous le soutenons. Merci. Dieu Majesté, merci beaucoup, cher papa. Vraiment, vos paroles nous touchent. Je pense que tous les amis et frères du ministre qui sont là, ils sont édifiés. Et je pense qu'on retiendra aussi que notre pays a vraiment évolué, mais notre tradition a vraiment évolué, de savoir qu'on a des majestés qui savent bien manipuler la langue de Molière aussi, qui sont éclairés. Et ça vient à rajouter... Ça vient à rajouter à la culture qu'on a. Merci beaucoup. Merci. Je suis très très fier. Je lui ai dit merci pour tout cela. Votre fils, votre héros, notre héros national, Michel, de vous dire un grand merci. Et que lui-même, il est fier de vous. De savoir que ses amis sont venus d'ailleurs, ils rentrent dans sa culture, dans son terroir, et ses parents sont là, dignes et fiers. Et surtout, vous lui avez adressé là des paroles de soutien. Des paroles de soutien. Et ça, nous tous, on va le noter. Parce que souvent, l'enfant peut voler, mais ses parents ne le soutiennent pas. Or là, vous l'avez expliqué. Maintenant, il me charge aussi de vous dire que, comme vous lui avez donné des consignes par rapport à ces étrangers, toutes les cases, tous les logements que vous lui avez confiés, il voudrait que ces étrangers aillent rapidement se débarrasser. Donc, il demande à se retirer. Et puis il va nous faire l'appel pour nous distribuer là où vous nous avez dispatché. Voilà tout ce qui m'a sauvé. Merci, professeur. Daniel, vous. Maintenant, nous, Kadam, vous pouvez voir, il va parler. Ok, les chefs ont compris. Comme il avait dit dans la table du monde, parce que vous venez d'arriver de loin, il me l'a dit avec les arrêts là, on a fait finir, pour que vous êtes fatigué. On peut bien vous donner la route. Ici, on donne toute la route, hein, c'est pas moitié, hein, comme chez Nebo à Kara. On donne tout. Voilà. Mais avant cela, on va immortaliser. Voilà. Il veut aussi immortaliser votre présence ici. Voilà, vous avez toute la route. Thank you.
Yeah.